On va l'ouvrir. Comment ça s'appelle le modèle? Fishing boat, bateau de pêche. Un bateau de pêche en bois, planche en bois, assez épais, de assez bonne qualité. Il y a deux planches en tout. Avec la notice à l'arrière. On y va. Voici la notice et les deux planches. Ah. Un petit carré de papier sable, très petit, très très petit, feuille A3, je pense, ouais, A3, c'est magnifique, voilà. Il y a de l'anglais aussi, ici. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose à écrire, c'est juste les numéros des pièces. Ici un petit texte, donc du coup on n'a pas besoin d'explication du coup, puisque il n'y a pas grand chose qui est écrit à part les numéros des pièces. C'est magnifique, c'est très joli. Une feuille papier sable, une feuille, un petit carré plutôt de 5 cm, 5 par 5 à peu près, et 3 planches. Ah, du coup il est plus fine, il est moins bonne qualité. Bon, c'est pas mauvais, mais 3 planches de cette épaisseur, donc c'est moyen, donc la qualité est moyenne. Donc 29 pièces. B, 2 sur 3, donc 3 planches. Et C, 3 sur 3, ici. On démarre. Donc la notice nous dit il faut la planche, la pièce plutôt A36, A12, A36, A12, la planche 1, donc ça la planche 1, H36, donc c'est lui, 36, A12, c'est les deux grosses pièces, et B1, B5 sur la planche 2, 2 sur 3, B, donc gros planche aussi, et la petite triangle B1 et B5 triangle ici. Voilà, on a les 4 planches pour la première étape. Donc j'utilise une pièce que j'ai récupérée sur un autre modèle, donc qui fait exprès pour ça, justement pour qu'on puisse retirer les pièces. Les planches, donc c'est comme ça. Rentrer dans le trou et faire rentrer dans la fente. Donc ici. Sans le casser. Ça, premier. Voilà. Et pour faire rentrer cette pièce,
C'est dommage qu'il ne fait pas un truc pour faire tenir. Bon, voici comment je vais faire pour la partie qui est cassée ici. Du coup, j'utilise du élastique. Donc, les élastiques permettent de courber les planches. Ça aide à courber et ça aide à tenir avec la colle. Voilà. 24, c'est lui. Donc, ce sera pour lui ici. C5 en bas, C4 en haut. Au milieu, C10. Après, C11, c'est le cercle. Voilà. C22. C'est 21. C'est l'inverse. Ouais. C'est inversé. En fait, le bout là, il doit se diriger vers le haut. Et c'est celui-là qui va rentrer dans le trou. Voilà, c'est beaucoup plus juste. Voilà, maintenant on va chercher à rentrer dans le trou. Voilà. Oh, j'ai l'élastique. Attends, je me suis merdé là. Attends, il y a l'élastique que je n'ai pas encore retiré. Là, je peux plus là. Attends, je ressors. Il y a l'élastique qui me coince. Voilà. Donc, dans le trou en haut. Voilà. Rentrer dans le trou. Après, dans le trou en bas, en même temps. Voilà. Le trou là. Donc après, il faut faire rentrer ces deux trucs-là dans le creux. Voilà, c'est un peu mieux. Comme je me gourre pas, hein. C'est comme ça normalement. C'est identique, je ne fasse pas d'erreur. Voilà. La planche doit être plus large. Ah, je suis bête comme tout. Je fais carrément l'inverse. La partie la plus serrée, j'avais mis une grosse planche, donc 25. Alors que c'est le contraire. Donc 25, c'est la planche la plus large. Et 28, c'est plus fine au niveau surface. Là, ça passe mieux. Et voilà. Parce que la largeur par rapport à cette pièce-là, la largeur, voilà, c'est mieux. Ok, je serre une dernière fois. Ok, ça marche. C'est mieux là. Partie fine sur la droite. Et on essaye de rentrer dans le trou qui est ici. Donc normalement, ça devrait se faire assez simple, non? Vers l'intérieur. Voilà. Ok. Ok. C'est bon. Deuxième. Ici. Bon, c'est beaucoup plus facile quand on assemble. Au lieu de pousser avec le doigt, le doigt, il fait assez mal. Voilà, c'est rentré.
Ah, ça y est, je le sens, il est rentré dans le trou. Et maintenant, on décale légèrement pour qu'il soit aussi rentré dans le trou parfaitement. Ah, ça y est, c'est rentré. Voilà. C'est bon. Même pas commencé, déjà cassé deux pièces. Et là, ça va être coton là, pour faire rentrer sans casser. Ça colle peut-être. Je rentre déjà cette pièce sans le casser si c'est possible. Comme ça, donc. Voilà. On va faire inverser. Comme ça. Ça. Il fait rentrer lui. Et lui, comme ça. Voilà. Je sens que ça rentre tout doucement. C'est comme ça. Voilà. Ce côté, voilà, ok, c'est bon. Trois trous, on fait rentrer premier trou, et puis les deux autres va suivre. Normalement, on écarte bien pour que ça rentre comme il faut. Voilà. Il faut pousser légèrement pour que ça cale correctement dans le trou et pas forcer comme un morpion. Voilà. Voilà, c'est bon. Excellent. Il faut passer à travers A5, le A3 qui passe à travers A5. Donc, il va rentrer dans cette fente qui est faite pour lui. Comme ça, c'est tout. D'accord. Ok, c'est bien. Par contre, il faut qu'il soit sur la planche A2 et non à côté. Donc. Wow. Étant donné qu'il n'y a pas recto verso. Voilà. Par contre, on n'est pas courbé vers l'extérieur et on fait rentrer le tout. Ah, tiens. Ah. D'accord, j'ai eu peur. Donc, tout doucement, cette partie, petit à petit, sinon j'ai peur de casser. Voilà. Ok, donc ça rentre bien les deux côtés. Donc, c'est bien droit. Ok, ça marche. Très bien. Un petit coup. À 15 carrés. J'espère, c'est comme ça. Déco en haut. C'est bien ça. Que je me groupe pas. Voilà. A14 rond.
C'est bien comme ça. Ah, c'est une antenne. Antenne pour la pêche, pour le bateau pêche. Ok. Voilà, je vais tenir comme ça et pousser. Je vais s'envoler un peu. Voilà. J'allais pas jusqu'au bout parce que je crois que c'est pour installer quelque chose d'autre, non? Après, je vais juste pousser un peu pour que ça tienne. Voilà. Voilà les deux roues sur le côté. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ok, on fait rentrer. Voilà. La pièce. Voilà. Aïe, j'ai cassé. J'ai cassé la tête. Bon, on fera plus tard. On va passer à. D'accord, c'est pour tenir qu'il ne se décale pas trop par rapport à. Aux deux pièces, c'est bien vu, hein. Donc le côté cassé, je le fous sur cette partie afin de cacher avec cette pièce. Voilà. Donc du coup, ça passe très bien. Donc une pointe de colle parce qu'il est assez facile à démonter. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Remplacement du pont. Oui, ok. Ah, légèrement. Attention à ne rien casser. Ça se lance bien pour l'instant. J'espère ne pas casser quoi. Aïe, cassé déjà. Même pas parler est déjà cassé. C'est hyper fragile. 42. C'est déjà cassé. J'ai cassé ici déjà. Repars sur ta place. Je vais passer à la base sans monter le mécanisme du cru à l'arrière du bateau. Là. Cette partie, j'ai complètement oublié.